Ah, c'est vrai, non. Bon allez, bonsoir. Bonsoir à toutes et à toutes, nouvelle petite vidéo sur la nouvelle chaîne des Bretons! Voilà, c'était une nouvelle petite vidéo. Allez, bonne soirée à tous. Donc n'oubliez pas de liker, de vous commenter, de vous s'assaisonner. Non, ce soir c'est petite vidéo d'action. Et oui, ça fait un bon moment qu'on n'y a pas été. Ça va bien faire 2 semaines qu'on n'est pas retourné à Action. C'est normal parce que à cause des grèves, malheureusement, on n'avait pas à Deux pouvoir semaines, même plus que ça. accès au, tout ce qui est transport, que Que ce ce soit soit RER. Bourse. Attendez, parce que j'ai un problème avec ça. Avec mon. Aïe, oh mon dos. Donc désolé si ça bouge, c'est normal. J'ai oublié de remettre la grandeur qu'il fallait. Voilà. Pour ça, c'est marrant, on voit pas Alors Cécile. là, on tremble, on vibre. Voilà, là c'est mieux. Voilà, c'est. Bien sûr avec la queue-queue de Blacko qui est là. Hein, mon bébé d'amour. Donc comme je vous disais, ça fait un moment qu'on n'a pas fait les trucs de l'action. Comme tout le monde, hein, Pépette, ça suit pas aussi non plus, Non hein. mais bon, attends, là, il n'y a pas de transport non Donc plus. voilà, on n'a pas pu y aller aussi à cause de ça. Et bon, il y a beaucoup, beaucoup à cause des transports. Voilà. Mais bon, comme je le dis, hein, Action, ça devient une drogue. Donc pour ça, on essaie quand même aussi de temps en temps de ralentir un peu. Parce que. On tire la dose. Il y a tellement de trucs nouveaux, tellement des trucs jolis que dans le cerveau il dit faut qu'on y aille, faut qu'on y aille, faut qu'on y aille, mais bon derrière faut que ça se suive aussi. Mais là on s'en fout, tout a été payé, le loyer, tout ça, tout a été payé. Donc voilà, c'est pour ça on s'est fait plaisir, on a été à l'action aujourd'hui. Et après il y aura une autre vidéo de Clack Price. Cash Voilà. price. Pareil, ça faisait un bon moment qu'on n'y a pas été, qu'on n'avait pas remis les pieds dedans. Il va bien faire bien 2 3 mois qu'on n'y a Cash pas price, on été. l'a fait tout au début qu'on a commencé nos vidéos. Ouais. Non, ouais, Et mais on a depuis, on n'est pas été. retourné. Non, Mais on n'est si, on a pas. été 2 3 fois. Non, on n'est pas retourné depuis. On n'a fait qu'une Oui, fois alors, attendez, Blacko, il veut. vidéo. Il va aller prendre son bain. Il va prendre ton bain, mon bébé. À mon cœur. Voilà. Non, mais il faut lui allumer par contre. On est Voilà, d'accord. mon bébé. Tu peux aller prendre ta douche. Il y Et va. doucement à l'eau, hein, parce que papa il paye l'eau. Hein. Il va dans la douche maintenant. Il paye l'eau, Papa papa. va Donc, y aller maintenant. oui, je sais. Ah oui, c'est un chat propre. Et là, il part Ah aller bah prendre avant sa il avait douche. peur d'aller dans la douche. Mais là il y va. Ouais, c'est Bagheera qui n'avait pas peur. Ah bah grave. Bagheera, tu prenais une douche. Je pourrais faire ça sur le ticket si on avait On pas s'en mal fiche. d'argent. Comme je vous dis, on l'a eu tout bébé. Il n'avait pas peur de l'eau parce que Cécile, elle l'a habitué, elle avait son cucu, son visage, tout ça, quand il était vraiment tout petit, tout petit, tout Mais petit. moi je suis fatiguée. Et parce qu'on l'a élevé à la pipette. Et après, Bagheera, il s'est habitué à l'eau. Et quand on allait prendre notre douche, à côté de notre dos, à côté de là où on a notre douche, on a une genre de petit muret, Petit renforcement, petit ouais. renfoncement, un genre de petit muret, il se mettait là. Et il nous regardait en train de prendre sa douche. Pourtant, il recevait de l'eau, bon, pas bouillant, hein, parce que moi, j'aime pas prendre mes douches ni trop froides, ni trop chaudes. Faut vraiment que ça soit à ma température. Même s'il recevait des gouttes, il s'en foutait, il était content. Il ressortait, il était aussi mouillé que nous, mais bon. Ah oui, même bien mouillé des Même des fois, fois. même bien mouillé, hein, comme si il avait pris une douche carrément avec nous, quoi. Mais c'était un chat vraiment spécial parce que pour qu'il aime l'eau comme ça, c'est. Et Bagheera et Blacko, il aime l'eau, mais bon, voilà, c'est pas comme Bagheera. Mahout, lui, c'est même pas la peine, quoi. Mais Blacko, oui, c'est vrai, depuis quelques temps, il a tendance à aller dans la salle de Oui, bain et lui, jouer avec l'eau et tout, donc là, voilà. je suis sûr qu'il est dans la douche, il n'est pas Donc sorti. voilà, c'est bon signe que.
que Bagheera, que ah là là, que Blacko n'ait pas peur de l'eau. Donc voilà notre petite histoire du quotidien. On va commencer quand même. Oui, tu commences. Tu auras fini de voir ton. Un petit tas de Astérix, ça fait longtemps que je l'ai celle-là. Et j'aime bien la prendre de temps en temps. Ton soda. Mon soda. Allez, c'est parti. Cécile a trouvé. Arrête avec ton téléphone. Mais ta bouche. Cécile a trouvé des piles en promo. Donc ça, c'est les moyennes. Des AAA. Il y en a 10 dedans, des Varta. Pour 1,99€. Voilà pour cela. Et du coup, bah voilà, on a pris les petites. Mais arrête pareil. Avec tes cheveux aussi. Mais arrête avec tes cheveux, merde. Oh. Bah ça, il n'y a pas que, c'est toutes les femmes. Hein, mais ça, des 199, je veux dire. 1,99€, les Versa Energy. Ouais, c'est vrai, vous les femmes, vous êtes toujours la mine de. Parce que nous, on se touche les cheveux. Non, toi, t'en as pas, donc. Mais même, avant, j'avais les cheveux jusqu'à les épaules frisés. Et j'étais jamais. Je faisais jamais. L'Oréal, je le veux bien. C'était pas encore l'époque de L'Oréal. Ah. Enfin, si, il y avait L'Oréal, mais c'était pas encore l'époque de. Ah, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Guiguimette. 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 Bah, ma cousine, Guiguimette. Tu sais, avec les cheveux roses. Ah oui. Ah oui. Oh là, ça se rappelle plus de ma cousine. Oh là là, la honte. Non, c'est à ta tête, là, c'est à moi. Ah oui. Sauf si tu veux faire par. Non, bah vas-y. Deux par deux. Non, deux par deux, c'est bien. Eh ben alors, deux. Ah oui. J'ai fait un, deux. Voilà. Bah aussi, voilà. Un, deux, voilà, c'est fini. Au revoir. J'ai accroché pour accrocher les boules de Noël. Et pour accrocher ses îles aussi. Ça, déjà. Des crochets. Attache-boules. Bah, accroché Guillaume. Pourquoi tout le monde dit des accroches alors? Je sais pas, ils appellent ça des attaches-boules. C'est considéré comme des accroches. Bon, c'est des attaches-boules. Vu que tu accroches les bouboules dans le sapin. Et ça, ça coûte. J'ai marqué de prix. 45 centimes. Ouais, donc vraiment pas cher. Quoi. Donc allez-y, il faut profiter. Non, on a pris deux. Il y en a plein. Hein. Ouais. Donc j'en ai pris deux au cas où. Voilà. Non, parce que celui de tien, on les a pas vus. Si, parce que je t'ai même dit, il faudra qu'on en prenne la prochaine fois. Oh putain, qu'est-ce qu'il sent bon, toi, Christian. Bon, ça y est, il nous l'a joué avec son parfum. Ah oui, franchement, heureusement, vous n'êtes pas là, parce que. Ah, Gauthier, si je m'en mets partout, là, toutes les femmes, RER, métro, bus, ils vont me violer, là. Je te signale que parmi les femmes. Ils vont avoir des. Parmi toutes les femmes, il y aura sûrement une femme qui va arriver, qui va faire un chamboulement là-dedans. C'est comme au bowling. Tire la boue et strike. Toutes les femmes attendent. Mon bébé, ça y est, t'as pris ta douche, mon cœur. Oh, le bébé. Ce sera pas le parfum qui les fera tomber, ce sera la boule. Donc, qu'on continue dans les Noëls. Donc, on a pris les. On a fait des petits nounours tout blancs. Non, bah, pas que. C'est le debout. Voilà, les petits nounours. Petit nounours tout blanc, vraiment les deux boules. Voilà. Et bon. Et le debout pour 69 centimes. Donc il y en a un comme ça. J'en ai pris un comme ça. Voilà. Et j'en ai pris un tout marron. Je l'ai trouvé super joli le petit marron. Voilà, comme ça. Oui. Bon, comme je vous dis, je ne vous les ouvre pas parce que voilà, pour l'instant, tant que le sapin n'est pas fait, je les laisse dans le petit sachet. Vous savez, ça abîme pas. Ah, papa, ils sont pas. Mon bébé a fait un bisou sur la bouche à papa. C'est le parfum qu'il voilà. Me sentir. C'est ça mon cœur, regarde, sens. Sens le parfum, papa. Là, sens. Non, t'aimes pas? Bah, il aime pas sauvage. Oui, Gauthier, tu lui as fait goûter. Il a fait goûter, non, il a pas. Fait sentir. Non, il aime pas. Gauthier aussi. Non, il aime pas. Par contre, il aime bien mes trucs de merde, là, à 5, 10 euros, là, 12 euros. Mais des trucs de grande marque, il aime pas. Bon, j'ai racheté. Voilà, non, ça montre que c'est un chat qui. C'est un chat qui. Je dis pas qu'il est pauvre, mais qui est classe moyen. Il aime pas les gens riches, voilà. J'ai acheté du bzi. 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 Bzip. Du bzi. Oh! Bzip. Du bzbiz. Bzip. Parce qu'il s'appelle comme ça. Bzbiz. Bzbiz. Du miel, parce que j'en ai plus.
Ça fait 2 semaines que j'ai plus de miel. Ouais. C'était temps qu'on aille chez Action, c'est le cas de le dire. Ouais, tu m'étonnes. 1,99€. Et en plus, heureusement, je t'en ai. Je te l'ai vu parce que t'avais oublié aussi. Qu'il a pris, parce que moi j'avais oublié. Et pourtant, quand je suis partie, je dis il faut que je pense à mon miel. Ouais, c'est la première chose que t'as dit. Guillaume, il y a pensé. Bah, heureusement, je suis là. Hein. Donc 1,99€. Vous voyez, les hommes, ils vous servent à quelque chose. Je vous le recommande. Mais prenez le grand, pas le petit, moi j'aime pas. Oui, on vous a dit déjà depuis au début que le petit, il est pas terrible. Après, si chacun ses coups, oui, moi voilà. Je préfère le grand. Le grand, il est meilleur. Donc, il est un petit peu plus cher, mais il est meilleur. Je me suis repris des déos comme ça parce que j'arrive pas à trouver le mien encore, comme d'habitude. Donc, si le cycle touche, que je me touche. Et ça, c'est déodorant sensitive woman, donc pour femme. Woman. Il dure 24 heures quand vous en mettez, mais il sent très bon celui-là. 99 centimes. Donc voilà. Donc je sais pas si vous avez dit, on vous a dit, mais c'est Action de Créteil Pompadour. Mon pied. Et ça fait. Ça faisait un bon moment qu'on avait, pas remis. On a tellement marché, mais qu'on avait pas remis les pieds là-bas. Donc moi, je me suis repris des petites bombes spray painting pour moi, pour mes créas. Comme j'avais plus de noir, donc voilà, je me suis repris un noir. Pour 2 euros. Je suis allé à 2,19€. Ah, normalement, c'est pas fait vraiment pour la peinture, pour les trucs de création, mais moi, je vois. Comment dire, hein, je m'en bats les cacahuètes. Donc voilà, pour moi, je m'en sers et ils sont très très bien et je suis très très content de les avoir. Et j'ai pris du blanc aussi, en blanc, pareil, parce que le bouchon, c'est un bouchon rouge mais spécial. Et franchement, il est très très bien pour faire les étoiles et tout. Il est génial. Moi, j'en ai repris un. C'est l'autre, il est presque terminé. Et justement, je vais garder le bouchon. Je vais laisser tremper, je vais garder le bouchon et. Comme ça fera des. Bon, on n'appelle pas ça des bouchons. On appelle ça des buses. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le. Ouais, mais je sais pas si tu peux le mettre. Dans le spray. Si, c'est pareil. C'est le même système. Ils sont. C'est des trucs uniques, quoi. C'est des trucs. On appelle ça des. Pas des standards, des trucs qui va un peu partout. Qui va sur le même truc, quoi. Oui, ben standard. Oui, voilà, standard, voilà. Donc, standard, mais standard. Donc voilà, c'est j'ai bien dit le mot, voilà. Absolument. Donc oui, celui-là, par contre, le blanc, il est un peu plus cher, il est 2,99€, voilà. Donc voilà, je suis à 2. À toi, on s'en fout. Non, pas mal, parce que lui, il me fait des dégâts. Je me suis repris mon soupline, j'ai pas trouvé la dernière fois, donc. Donc comme là j'en ai plus et celui-là je l'adore, celui qui sent vanille et orchidée, il coûte 2,99€ pour 40 lavages, c'est une bouteille de 1 litre. Franchement je vous le conseille, il est très bien, il sent le linge, sent super bon. Ah oui on a repris du pchit, à la lavande, du French Air. C'est la lavande, non? Bah oui, de toute façon, la vente, il n'y avait plus que ça. Ouais, j'ai l'impression que les gens, ils en ont marre. Il n'y avait que ça, que de la lavande. Ils laissent tout ce qui est lavande maintenant, j'ai vu, ils prennent les autres parfums. Ah oui, ça sent super bon, la lavande. C'est vrai que maintenant, il y a tellement de parfums maintenant que les gens, ils veulent essayer les autres parfums. Ouais, mais là, il ne restait plus que ça. Laisser que la lavande, c'est bizarre, quoi. Il ne restait plus que ça dans un truc. En plus, c'est bien, c'est les grandes. Alors ça coûte 0,84, je crois que c'est ça. 84 centimes. Ah, donc ouais, pour le prix, franchement, voilà. Ouais. C'est une bouteille de. Attendez. Elle est grande, hein. 400 ml. 400 ml. C'est déjà bien, hein. Ouais. Donc deux. On a enfin retrouvé nos sauces favoris. Donc, la sauce mayonnaise. Donc, il y a des personnes, un certain chaîne qui ne l'aime pas. Oh, pardon. Donc moi et Cécile, on la kiffe cette sauce mayonnaise. Ah la mayonnaise, moi, elle est bonne. Très très bonne, franchement. Elle est pas du tout dégueulasse. Je vous la conseille là-dessus. Après, bah chacun ses opinions, chacun ses goûts. Mais en tout cas, depuis qu'on la prend, franchement. C'est la mayonnaise de Belgique, elle vient de la Belgique. Elle est très 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 bonne. Et franchement, voilà. Elle est bonne. Hein.
Et c'est 1,39€. En plus, moi, je la trouve pas très grasse. Et... Ouais, elle est super bonne. Je comprends pas les gens qui disent qu'elle est pas bonne. Franchement, ouais, ils ont pas de palette, c'est pas possible. Et moi, je me suis pris la sauce favorite aux oignons. Pour 1,39€ aussi, pareil. Du coup, comme je l'adore, bah, j'en ai pris deux. Parce que je me suis dit, c'est la prochaine fois que j'irai, il n'y en a pas, je vais être... Ah, t'as pas pris à l'ail, je crois que c'était à l'ail que t'avais pris. Non, à l'ail, par contre, à l'ail, j'aime beaucoup, moi. Il n'y en avait pas, je crois. Si, il y en avait. Après, il y avait, à l'ail, il y avait barbecue, il n'y en avait pas. Ah, mais ça, on a du mal à le trouver à chaque fois. Barbecue, il n'y en avait pas. Tu avais trouvé de la chance, là. Et sauce pimentée, tu sais, avec le hot, piment rouge, hot. Celui-là, faudrait que je l'essaye, parce que j'ai toujours pas testé celui-là. Donc, il faudra un C4 que je me le prenne. Oui, Blacko, qu'est-ce que t'as, mon cœur? Il est là, ma housse. Viens, mon bébé d'amour. Et, bah voilà, j'en ai pris deux pour 1,39€. Et celle-là, elle est vraiment très, 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 très bonne. Donc, pour ceux qui adorent les sauces, bah, je vous la conseille. Franchement, prenez-la sans hésitation. Déjà, elle est pas chère. Elle est quand même, c'est comme des grandes bouteilles. Ils font du 500 ml. Donc voilà, ça vaut le coup pour le prix, franchement. Allez-y. À moi. On s'est acheté une petite. Mais ça, c'est pas chez Action, ça. Si. Mais non, c'est que la. Ah, machin, ça. Il mélange tout, là. Ah bah, tant pis, pas. Je me suis repris un mug comme ça. Café ou thé, comme vous voulez. C'est la dernière fois je m'en suis acheté un couleur taupe. Donc là, je me suis, comme j'aime bien, je me suis repris un rouge. Il y en a aussi gris. Blacko. Gris. Il y a marqué I love café dessus. 0,99 centimes, mais ils sont pas chers. Et puis, ouais, puis ils ont un joli rouge. Ils sont mignonnes. Et l'autre que j'ai, c'est une taupe. Voilà. C'est pas emmêlé dans le sac, bébé. C'était pour ça qu'il est là. Non, il veut jouer avec les bouboules. Mais je sens que je vais les dégager parce que il va m'arracher le sac. J'ai racheté des brefs pour les toilettes parce que j'en ai plus. Donc j'ai pris par deux. C'est senteur exotique Hawaï. J'aime bien, ça fait son boulot, ça. Voilà. 2,23€ et. Voilà, il commence à avoir faim, peut-être. Qu'est-ce que t'as faim? Ouais, à mon avis, c'est ça. Ouais. Ah, bon, papa, il donne alors. Il faut que ça fait leur boulot, hein, donc il n'y a pas à se plaindre de ça. Voilà. Bah, je vais continuer le temps que Guillaume il fasse. On a mangé à la peau et à ma housse. J'ai repris une bougie. Ma housse, viens manger. C'est une nouvelle, c'est les nouvelles bougies, c'est une nouveauté chez Action, ça. C'est les bougies sans. Excusez-moi. Sans tête candle. Oh, pardon. Le senteur abricot. Voilà, mon bébé, tiens. Franchement, elle sent super bon. Hein. Je sais pas, par contre, je sais pas ce qui s'est passé chez Action, mais ils se sont fait dévaliser au niveau des bougies. Il n'y avait plus rien. Pour celle-là, j'ai fouillé pour les trouver. Il n'en restait que la senteur abricot. Et la senteur. Merde, c'était quoi l'autre? Raspberry? Cranberry? Cranberry. Oh non, non, ça finit par Raspberry. Bah, je sais pas, moi j'étais pas là. Enfin bref, donc du coup j'ai pris. Bah, j'étais pas là, j'étais ailleurs. J'ai pris abricot. Et franchement, elles sont bonnes. Et puis il y a le tic dessus. Non, même pas, c'est. Si, c'est un léopard. C'est léopard. Voilà, c'est une nouveauté chez eux. Hein. Donc, voilà. En ce moment, c'est voilà. Ça, c'est léopard, tigre, singe. Ça coûte 1,80€, le même prix. 1,95€, parce que ça coûte le même prix que les autres bougies Airwick qu'on prend en temps ouais. Normal. Voilà. Mais il y en a d'autres que j'avais vu sur la vidéo de Secret Nana, non, sur la vidéo de Toria. Toria, ouais. Et bah, là, ils n'étaient pas. Enfin, si, il y avait la boîte, mais il n'y en avait plus. Ils avaient mis une boîte et toute la boîte était rien. Ouais. Donc si vous ne connaissez pas la chaîne Toria, c'est une personne qui fait comme Secret Nana, le même système que la chaîne de Secret Nana. À part qu'elle, elle ne parle pas, elle montre et puis il y a une petite musique derrière.
Mais allez la voir, sa chaîne, c'est assez sympa. Elle s'appelle Toria. Toria, mais je sais plus comment. Toriam. Toriam ou Toria? Toria. Toria, il n'y a pas de M à la fin. Non, Toria. Donc c'est... hésite à chercher Toria, chaîne Toria. Je pense que vous allez la trouver. Je sais pas s'il n'y a pas un autre nom derrière. Ouais, je crois qu'il y a un autre nom, mais je ne sais plus trop. Je sais plus. Et elle présente exactement le même système que ce canal-là, mais très très bien, quoi. Franchement. Ça, il y en a plusieurs hein, qui le font. Rien à dire. Oui, en ce moment, il y a 4-5 chaînes qui se retombent un peu pareil. Bon, bah vas-y à toi, parce que moi, j'ai présenté 1, 2, 3, 4. 4 déjà. 4 déjà? Donc moi, je vais vous présenter mon énergie. Je devais la boire, du coup, bah, je ne l'ai pas bu, bah, c'est pas grave, ça sera pour mon travail mardi, parce que j'en ai déjà un. Et bah, c'est une imitation Red Bull, hein, pareil. Hein. Mais il est pas mal celui-là, franchement, il a 39 centimes, et voilà, il se boit correctement. Voilà pour ça. Je me suis repris des petites LED. On n'a jamais pris encore celui-là. Mais si, j'en ai pris déjà des 40. Il y a 3 semaines, on ne l'a pas pris. Oui, mais j'en avais déjà pris déjà d'avance. Ah bon? Oui, puisque je t'ai dit, j'avais pas. En fait, je l'ai retrouvé. J'ai mal au genou. Je les ai retrouvés, les fameux LED de vin en forme de petit cœur. Je les ai retrouvés. Ils étaient cachés en dessous. Ah dans... oui, ils étaient où alors? Bah, ils étaient au-dessus, mais dans un truc. Donc, j'avais beau chercher. Une explication. Au-dessus dans un truc. Oui, mon étagère, j'ai mes 4 boîtes, il y a tous mes collections de silos, les feutres, enfin, un tas de bordel. Et le truc était carrément au-dessus. Et blanc contre blanc, bah, j'ai pas vu. Donc du coup, bah, je les ai remis à la même place, pour que ça moi. Je sais qu'ils sont là. Donc du coup, bah, là, j'en ai repris. Et franchement, ça mange pas de pain. Rien vu. Si on fait, si je refais une petite créa machin, qu'on a besoin d'une petite loupiote, bah voilà. Ah oui, mais ça, non, c'est pas la même chose que tes petites loupiotes que tu prends d'habitude. Hein. Ça va. C'est parce que j'ai mal aux jambes. Et moi aussi, j'ai mal aux jambes. Ça, c'est des. C'est trucs que j'ai mis dans ma création de La Belle et la Bête à la rose. Ah bon, mais moi je pensais pas que c'était ça. Mais si, c'est les petites LED. Non, mais moi je voyais pas ça comme ça. Et ça, c'est bien si tu veux faire des petites décors, des comme ça, qui te manque de la lumière. Bah, tu mets ça avec et c'est. Voilà, c'est pas mal. Donc, c'est 99 centimes. Hein, il a 40 dedans. Mais vous avez. Ils sont en promo là. Ça Je crois, je sais si plus. Si tu l'as pris en promo. Oui. Oui, oui. En promo, donc il y a des 10, des 20, je sais même pas s'il y a des 30, je sais plus, et il y a des 40, donc voilà, ça vaut. Après, si vous ne les trouvez pas dans les rayons promo, vous allez dans les rayons tout ça, et puis vous allez. Donc on continue pour Noël, on a trouvé ça pour 1,89€, et ceci, on a, parce que nous on a une étoile, je crois elle est rouge, je sais plus quelle couleur, non, ou bleu. Ou bleu. Bleu ou argent, je sais même plus. Ça fait Star Academy, j'aime pas. Oui, mais on nous l'avait donné celle-là. Oui, mais je la mettrai plus, elle m'énerve. Voilà, donc je pense qu'elle va dégager à la poubelle. Et du coup, elle a kiffé sur celui-là. C'est oui, un blanc nacré. Un blanc nacré, brillant et tout. Avec un trou au milieu. Ah oui, tu m'as fait faire poubelle. Donc voilà, Cécile a craqué pour celui-là. Donc en essayant, bien sûr, de ne pas casser ni en bas. Ni en haut, parce que ça c'est hyper fragile, ça se casse facilement. Donc, c'est pour ça que je vais garder la bobouette. Et quand on aura fini, bah, je remettrai dans la bobouette. Il y avait rouge, argent, blanc nacré et doré, je crois. Ouais. En plus, c'était la dernière. Ah oui, le blanc c'était le dernier. Ouais, c'est vraiment la dernière. Donc les gens ils ont dû sauter dessus aussi sur ça. 1,89€. Donc voilà. Voilà pour ça. Ça fait combien? 1, 2, 3. 4. C'est combien? Bah oui, heureusement j'étais à l'école, peut-être pas longtemps, mais j'étais à l'école. Des pinceaux pour mes créas, pour mes trucs de peinte. 75 centimes. Donc j'ai pris ça pour essayer de faire soit des arbres ou des sapins. Mais pour ça, il faut que je m'entraîne. Il faut que je passe sur une feuille blanche. Ou noir
Et il faut que je m'entraîne à les faire. Parce que je sais pas du tout faire les sapins, ni des arbres et tout. Et j'aimerais, franchement, vu que je fais des crayons en spray paint, painting, donc de temps en temps, ça serait sympa que j'apprenne à. Enfin, que je mette soit des petits sapins, même faire des montagnes et tout. Pourtant, je regarde pas mal de vidéos sur ça. Et il faut absolument que je m'entraîne. Et le jour que vraiment que j'arrive à grosso modo à le faire, je vous ferai une très belle créa de planète avec des montagnes, des sapins et un tas de bordel, quoi. Mais d'abord, il faut que je m'entraîne. Donc, j'ai trouvé ça assez sympa, surtout les couleurs. Ils sont assez, assez jolis. Donc, j'ai pris ça. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4. Donc, ça, j'ai fait. Ah oui. J'ai repris des bonbons de Noël. Je vous les conseille, ils sont trop bons. C'est les trolli. Et ils sont bons. Ils sont pas durs du tout, c'est mou. Ouais, ils sont tout moumou. Ils sont très bons. Un peu comme les crocodiles. Ça coûte 2,79€. Alors là, j'ai payé 2,79€ à Pompadour. Mais l'autre fois, à Thiers, j'ai payé 3€ des poussins. Ouais, bah comprendre. Je sais pas. Alors, est-ce qu'ils étaient en promo? Peut-être, j'en sais rien. Ouais, parce que normalement, ils sont censés d'avoir les mêmes prix. Je les ai pris dans les bons rayons bonbons. Mais après, c'est vrai que si vous avez en promo, même si vous prenez l'article dans un autre rayon, si c'est l'article en promo, vous verrez la promo. Ouais. Donc les bonbons de Noël, 2,99€, ça part bien, il n'y en avait presque plus non plus. Hein. Donc ça part très bien. Je vous ai dit, hein, 2,79€. Au lieu de 3€ et des tickets. J'ai repris une bougie, oui, voilà. Bougie Airwick. Tout ça, ça par contre, c'est la première fois que je les vois chez Action, celle-là aussi. 1,95€. C'est la senteur course. Linge frais. Elle sent bon. Hein. Elle sent le linge frais. Voilà, 1,95€. On verra bien. Donc pour faire plaisir à nos matous, donc on a trouvé cette petite boîte super sympa. Ce sera pour leur Noël. Voilà, ça sera pour leur cadeau de Noël. Donc on le mettra en dessous le sapin. Par contre, c'est des petites gourmandises. Oui, ils sont sur le truc. Voilà, c'est des petites gourmandises qui est dans la boîte. On les voit là. De la marque Purina Félix. Ah, donc c'est... voilà. Et comme la boîte, j'ai trouvé super, super jolie. Petite friandise. Donc voilà, je l'ai pris carrément. Voilà. Donc ça sera pour... j'ai déjà écrit le nom. Oui, il y a une étiquette pour... Voilà, j'ai écrit Blacko et Maout. Voilà, comme ça sera leur même si je sais pas si les chats ils croient au Père Noël, on s'en fiche, enfin j'espère. Et là voilà, ça sera pour le minou, on mettra en dessous le sapin ça. Et on a repris, enfin Cécile a pris du papier papier comme ça. Papier cadeau brillant. Et c'est rose, saumon, je sais pas. Ouais, c'est un genre de... On a du mal à définir la couleur. Oui, j'ai vu rose dans le magasin. Mais ouais. Bon, j'ai vu rose. On a du mal à finir la couleur. Donc dites-nous à peu près la couleur. Là, sur le téléphone, il fait doré. Que vous voyez, ouais, sur le téléphone, ça fait doré. Normalement, il est rose saumonnière. Ouais, un rose saumonnière, ouais. Voilà. Un peu comme les... Je répète. Hein, comme la truite saumonnée. Voilà. Donc, c'est 70 cm sur 1,05 m. Tu vois, il y a marqué la couleur dessus. Papier cadeau, voilà. Scintillant. Scintillant. Avec du ruban adhésif. Ah oui, il y a du ruban adhésif dedans. Ouais, il est dedans. Donc, attention de ne pas... C'est la première fois que je connais... Si vous en avez acheté, il est dedans, mais nous, on ne l'a pas trouvé. Donc, il devait être, à mon avis, il devait être au milieu. C'est la première fois que je vois ça. Oui, ça évite de le faire avec du scotch, machin. Donc, voilà. Mais ils ne mettent pas la couleur vraiment exacte dessus. Ouais. Donc je sais pas. Ça on dirait un rose, je sais pas. Bah, enfin bref. Ça n'a pas payé cher en tout cas. Oui, je vous ai pas dit le prix. 99 centimes, 1€ quoi, le bordel. Donc voilà pour ça. À toi. J'ai pris des petites bougies pour notre table de. Pour Noël. Table de Noël et jour de l'an. Oui, voilà.
Il y avait en blanc ou noir. Donc j'ai, enfin gris. Ça c'est noir. Noir pailleté. Ouais, noir pailleté. Donc du coup j'ai pris noir. Ah non, anthracite. Donc c'est gris. Pourtant là on voit noir. Voilà. Il y avait aussi blanc. Mais bon, je préférais comme ça. Je trouvais plus joli. Là, on ne voyait pas trop les paillettes. Là, on les voit bien. Il y en a 8 dedans. C'est des petits chauffe-plats. Hein. 8 et ça, ça coûte 69 centimes. Ouais. Mais au plus, vous pouvez mettre ça sur la table. Petite table voilà. Avec. Il n'y a pas l'obligation de mettre ça dans un dans le truc. Vous mettez ça 2-3 comme ça sur la table. Là, j'ai repris les lingettes parce que j'en ai plus. Celles-là, elles sont très bien, elles font leur boulot. C'est la marque Spargo et Tixel. Elles sont très grandes. 99 centimes et c'est le goût pomme. Autrement, vous en avez au citron. Voilà, deux articles. Deux articles. À toi. Je me suis repris un petit calendrier. J'ai trouvé super sympa. Avec le petit truc autocollant derrière. Donc il se présente comme ça, le calendrier, tout en longueur, avec le petit truc arrondi là, pour passer les feuilles. Et j'ai trouvé super mignon, style un peu printanière, août, enfin, été, printemps quoi, avec les petits yeux, les fleurs et tout. J'ai trouvé super super joli. Donc je l'ai pris et bah, fin décembre, décembre, après c'est 2020, ce sera 2020. Ouais, j'écoute que j'avais fait connaître que j'avais pris un calendrier de 2019. Non, c'est parce que c'est normal, mais toujours ça. Et quoi? Ouais, puis fin, bah, quand on va commencer le mois de janvier, bah, il faudra que je l'installe. Je sais pas où, mais bon, ouais, je l'installe. Mais je mettrai un petit clou parce que, comme nous on a du papier, quand ils ont refait la cuisine, c'est un genre de papier. Et j'ai peur que si je le colle, quand je vais l'enlever, ça va tout arracher. Donc, je ferai comme d'habitude, je mettrai une petite pointe et je l'accrocherai. J'accrocherai avec la petite pointe avec, comme ça il ne bougera plus le bordel. Et on sera content. Voilà pour ça. T'as des prix Je sais pas, je vous ai des prix. Ah bah il faut te répondre. J'ai des prix. 84 centimes. Donc voilà, ça c'est pas cher, cher, cher. Ensuite ici, elle m'a trouvé un truc, un genre de merde, comment on appelle ça. C'est pas un classeur, c'est un porte-vue quoi, pour mettre ranger les papiers. Voilà, pour ranger les papiers, je sais plus comment on appelle ça. Porte-document. Voilà, porte-document. Bah, c'est pas vraiment ça, mais bon. Et puis bon, c'est les nouveaux trucs qu'ils font maintenant, vous savez, rectangulaire, assez le truc assez dur. Et dessus, je trouvais un super beau petit cheval. Donc ça change un peu des trucs qu'on voit habituellement. Même des trucs tout simples. Donc moi, j'ai trouvé, comme j'adore les chevaux. Même si j'en ai peur un petit peu parce qu'ils sont quand même, c'est quand même des animaux qui sont quand même assez impressionnants et bah je kiffe le cheval aussi. Donc j'ai pris Cécile m'a trouvé celui-là donc j'ai pas hésité, je l'ai pris direct. Et ça c'est 1,59€. Et les autres franchement ils étaient pas terribles. Si il y avait un chat aussi. Si il y avait deux minous. Il y avait deux minous mais bon moi j'ai pu skipper sur le cheval. Donc voilà pour ça. À toi. Oui. Alors, je vais racheter des éponges comme ça parce que je crois qu'on en a plus. Non, les verres, on en a plus. Enfin, il fait un moment, on les trouvait plus en plus. Ouais, ils avaient arrêté. J'aime bien les verres. Il y en a 3 dedans. Ouais, il y en avait une tonne. Là. Elles sont très absorbantes. C'est la marque Multi. 89 centimes les 3. Et moi, je vous les conseille. Il y a un truc. Gratte-gratte. Il y a un truc gratte-gratte derrière. Voilà. Éponge à récurie. Oui. Je me suis acheté ma petite bouteille d'Orangina, mais j'ai commencé à la boire. 99 centimes. Voilà.
Et puis, je vais finir. Voilà, comme ça, après, il n'y a plus rien pour moi. Bah, moi, ça va être fini aussi, alors, donc voilà. J'ai acheté à Guillaume des petits personnages. Tout simple. Ah. Non. Ah, regardez, il tourne. Pour faire son village. Ouais. Une petite nounours. Ça, c'est. Non, ça, c'est le bonhomme de neige. Ah, c'est le bonhomme de neige, ouais, j'ai mal vu. Enfin, ça, c'est le bonhomme de neige. Pour faire son village de Noël, il va les mettre dedans. Voilà. Ça, c'est le bonhomme de neige. Après, il y a le. Père Noël. Son chien, il tourne. Voilà. Après, il y a le Père Noël. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. Père Noël, là. Voilà. Ils sont lourds. Hein. C'est, je ne sais pas en quoi que c'est fait, mais. Mmh. Ils sont... Ouais, c'est un genre de cyranique. Leur petit poids. Là, il y a le petit nounours. Ouais, je l'ai confondu avec le. Avec le petit cadeau. Il est mis en Noël. Et là, il y a le couple, le petit couple d'enfants, petit garçon et la fille, et petite fille. Hop, 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 hop. Allez, on recommence, peut-être que un par un. Voilà, le petit garçon et la petite fille. Voilà. Donc, c'est pour mettre dans son village de Noël, il voilà. S'organisera avec dans son village. Et ça coûte. C'est 73 centimes voilà, l'unité. L'unité. Hein. L'unité. Voilà, par 4, on nous a fait quoi 3 euros, 10 poussières. 3 euros, quelque chose, ouais, le voilà. Ticket, ouais. Par 5. Les 4, ouais, il y en a quand même 5. Donc, il y en a voilà. 5. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour son village de Noël, c'est moi qui lui ai acheté, si vous voulez, des petits bonhommes. C'est fini. Donc moi j'ai fini. Donc on continue mon étude de créa. Donc je me suis repris un truc comme ça, je sais plus comment on appelle ça. Un carnet de croquis. Oui, c'est ce qu'ils appellent. Ouais, ils appellent ça un carnet de croquis. Bon, c'est fait pour tout, hein. C'est pas spécialement que pour des crayons de couleur ou des feutres. C'est pour tout, hein. Pour des crayons de couleur, pour les feux, pour la peinture, pour les trucs pastels. Pour les trucs, enfin, tout un assortiment de peintures, ainsi que mes bonbons sprays. Parce que le papier, il est un peu brillant, même au toucher. Il n'est pas, c'est pas un papier dur ou rigide. C'est un papier un peu glacé, légèrement glacé. Donc, moi, je l'ai pris ça pour mes bombes. Et voilà, ça me fera des trucs en plus. Donc cette fois-ci, au lieu de le, quand je ferai mes créas, au lieu de le présenter comme ça, je ferai comme ça. Voilà, je ferai mes créas dans ce sens-là pour changer un petit peu de décor. Voilà. Donc ça c'est le deuxième que j'ai pris. Déjà l'autre j'ai déjà commencé. 1,99€. Bah, vous voyez, c'est pas très cher. Mais par contre, même à Cultura, ils sont plus chers. Hein. Ils sont à moins à 7 à 8 euros, même 9 euros. T'as regardé à Cultura justement s'il y avait des feuilles cartonnées? Non, j'ai pas trouvé. Ouais, vraiment, ils existent. Hein. Moi, je cherche des feuilles un peu glace. Vous voyez, comme les trucs de photos. C'est quand je passe ma bombe dessus, au moins, voilà, la. Ton dessin, quand il ressort, il ressort par mat, il sort brillant, comme s'il y aurait, on aurait mis une glace dessus, quoi. Quand tu bouges, vous voyez, pas, que ça passe comme ça, vous voyez, brillant, quoi. Ça c'est un peu un truc, un peu glace, brillant, quoi. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais je pense que oui, quoi. Au bout, dis-moi si vous me comprenez pas, c'est bizarre. Donc, voilà. Donc je crois que je vous ai dit le prix, hein. 1,99€. Et en dernier, Cécile m'a offert pour Noël. Pas pour Noël, non, c'est pour faire ton village. Oui, c'est comme si tu me l'aurais offert. Donc Cécile m'a pris ça. Un genre de petit village de Noël. Donc je pense que ceux qui connaissent Action, bah, ils l'ont déjà vu. Voilà, il y a juste à appuyer sur le petit bouton. Voilà, et ça s'allume. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Si, ouais.
Voilà, toute petite maison, il s'allume. À part les abat-jour, il ne s'allume pas, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, voilà, tout s'allume. Et ça marche avec pile. Parce que moi, je croyais qu'il fallait le truc, il fallait le laisser comme ça. Et je dis à la dame, mais... enfin, je dis à Cici, mais tu vas pas t'amuser quand même à rester appuyé sur le bouton et machin. Et la jeune fille, elle me dit, ça, c'est juste une déco pour, voilà, pour montrer. Pour un magasin, pour montrer. Pour montrer comment il s'allume. Mais vous l'avez, normalement, vous avez un truc où vous avez juste à mettre des piles et le truc, il va fonctionner. Je fais, ah, ok, d'accord. Donc, voilà. Voilà, mon petit truc de village que je ne sais pas comment le faire cette année. L'année dernière, on l'avait fait par terre en dessous de son bureau. Parce que vu du fait, sa tour ne marchait pas et du coup, elle a resté quand même pas mal de temps sans utiliser son PC. Donc c'est pour ça qu'on avait profité de mettre les décos du village en dessous et au-dessus du bureau. Le sapin. Oui, le sapin était au-dessus du bureau et le truc était en dessous. Donc, et là, comme du fait qu'il remarche, donc je sais pas, je pense que je vais le mettre côté où j'ai mis quelques petits trucs de Disney. Donc je vais juste les enlever, je vais mettre ça dans un petit carton, dans un pour pas qu'il soit cassé, le matériel. Et je vais faire mon petit village sur plusieurs étages. Donc voilà, il n'y a que là où je peux, à la rigueur, je peux faire mon village. Mon village. Et bah voilà, je vais pouvoir faire mon petit truc dedans. Donc voilà, c'est une petite, un petit hit. Je dirais voilà, plutôt all action. Dis pas all méga, mais all action. C'est qu'on a quand même pris pas mal de choses. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Peut-être cette vidéo, j'espère que cette vidéo de all action vous a plu. Donc, n'oubliez pas de... Ah, c'est encore moi. Allez ! Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, sonnez la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes nos vidéos. Et déroulez la barre d'infos, vous avez tout ce qu'il faut dedans. Voilà. Et YouTube. Voilà. Et notre adresse email, elle est... en bas, mais on va la remonter à ce moment-là parce que en haut, si j'ai parce qu'apparemment ça c'est les chansons de Claude François. Il y en a qui trouvent pas notre adresse en bas. Mail, donc voilà. En haut, donc on va la remonter en bas. T'es en haut, à droite, à gauche. Et je crois que c'est tout. Bah oui, il y avait ça. Oui voilà, donc c'est bon. Ouais, on va juste remonter la. Notre adresse email parce que... Oui, on va vous la mettre avec Instagram. Enfin, on va voir comment on va la mettre. Apparemment, il y a beaucoup qui vont pas jusqu'au bout. Faut aller jusqu'au bout de la barre d'infos. Pas faire que la moitié. Faut aller jusqu'au bout. Où je marque bon visionnage à tous. Mais c'est pas grave, on va la remonter si c'est que ça. Donc... Ouais, vous la mettre tout en haut. Ça ira pas de problème. Pas tout en haut non plus, parce qu'il y a mes trucs dessus, ça va faire moche. Ça va faire pas beau. Donc, c'est moi qui la mettrai, je la remonterai un peu plus. On va la remonter un peu, voilà, c'est tout. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Donc, on vous a dit le truc qu'il fallait dire. Oui, c'est tout, au revoir. Bonne nuit. Comment tu dégages les gens, toi? Donc on va faire... Nous avons Mission Star Wars qui nous attend, qui est déjà oui, à mon avis, je crois, je l'ai loupé, hein, voilà. Bah ici, on ne peut pas mettre la première. Et on va attaquer la quatrième petite vidéo. Oui, c'est la quatrième. Ah oui. Bah oui, ça va vite, hein, mine de rien. C'est là, c'est la troisième. Voilà. Donc voilà, on va... On va tout ranger, puis on va sortir les trucs du magasin que on vous montrera tout à l'heure. Allez, sur ce, gros bisous à tous, bon appétit à tout le monde, bon dimanche, passez une bonne fin de semaine. Bisous à vos enfants, à vos chiens, à vos chats, aux grands-mères, aux grands-pères.
embrassez ce que vous voulez, quoi. Allez, Hugues les loulous, bisous, bisous, bisous.